Shalom, shalom, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Femme de Dieu, je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien du groupe Jésus revient. Vous êtes sur le plateau de Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette de repentance à toutes les nations pour les préparer pour l'enlèvement. Chers frères et sœurs, vous êtes dans notre émission Alerte rouge. Et notre alerte rouge d'aujourd'hui va retentir sur la cigarette. Et c'est dérivé. Alléluia. Prions. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, une fois encore, tu m'as fait grâce de me communiquer ce message pour transmettre à ton peuple ceux qui vivent dans les ténèbres, sous le joug de la cigarette. De la drogue, des chichas, etc. Seigneur Jésus, passe ce message, délivre quelqu'un, passe ce message, sauve quelqu'un, passe ce message, guéris quelqu'un, Seigneur. Grand Dieu, grand roi, Papa, tu veux que tous tes enfants sortent des ténèbres et viennent à ta lumière se préparer pour ton avènement dans la sainteté dans la pureté Seigneur Jésus par ce message transforme quelqu'un Seigneur partout où ce message sera joué Seigneur Jésus que ta puissance descend en ce lieu que ta gloire descend en ce lieu pour libérer tous tes enfants qui sont dans les chaînes de la captivité Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi Les anges familiers parcourent le ciel Ils sont vêtus en habits Et toi, mon frère, pose-toi la question est-ce que tu pourras aller aussi les anges parmi les parcours le ciel ils sont vêtus un habit blanc et toi ma soeur, pose-toi la question est-ce que tu pourras aller aussi, et toi, voleur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi, et toi, menteur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, drogué, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, fumeur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi Et toi, drogué, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi Les anges familiers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habits Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi À au rouge, à au rouge, à la cigarette. À l'être rouge, à la fumée de la cigarette, à la consommation de la cigarette et ses dérivés, que sont la drogue, le tabac, la marijuana, la chicha la cocaïne, etc., etc. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous met à cœur de vous alerter sur ce thème qui représente un danger grave pour vos âmes. Et beaucoup sont sous ce joug de la consommation de la cigarette. Et cela représente un fardeau sur leur vie. Beaucoup sont rongés dans cette dans cette vie et ne savent pas comment sortir. Et beaucoup aussi ne savent pas que la consommation de la cigarette est un péché devant Dieu. Chers frères et sœurs, ce qui m'a vraiment poussé à vraiment recevoir de Dieu cet enseignement, c'est que un frère m'a demandé de lui dans la parole, dans la Bible, que la consommation de la cigarette est un péché. Ou de lui montrer un verset qui cite le mot cigarette dans la Bible pour que lui, il soit convaincu. Chers frères et sœurs, en vérité, en vérité, le mot cigarette ne se trouve pas dans la Bible. Dans aucune Bible, tu ne vas trouver le mot cigarette. Alléluia. Le mot cigarette ne se trouve pas dans la Bible. Mais je vais vous donner un verset. Lisons ce verset. Dans Ézéchiel chapitre 8, le verset 17. Je lis la parole avec respect. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter. Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Le rameau de leur nez. Voyez, cela, c'est comme un symbole de ce que indique ce thème aujourd'hui. Chers frères et sœurs, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Approcher le rameau de son nez était comme un rituel en Israël. Mais le diable en a converti en mode. Et aujourd'hui, par la cigarette, les gens apportent la tige à leur nez. Et cela détruit et ronge leur vie. Peuple de Dieu, beaucoup de pasteurs théologiques et théologiens faut croire à bon nombre de personnes que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de sa bouche. Ça, c'est vrai. Et beaucoup utilisent ce passage de façon erronée pour montrer que. Ce qui entre dans leur bouche, comme la cigarette, le cannabis, le tabac, la drogue, la cocaïne, l'alcool, la chicha et toutes ces choses, ne sont pas du péché, que cela ne souille pas leur âme. Mon frère, ma soeur, toi chrétien, qui utilise les mêmes arguments, pour continuer de fumer, pour continuer de consommer des choses abominables. Je te dis, le Seigneur m'a mis à cœur de t'enseigner aujourd'hui pour réveiller ta conscience. En toute franchise, le mot cigarette n'est pas directement écrit dans la Bible, mais tu vas être surpris de tout ce que tu vas écouter. Le mot cigarette, pour te convaincre d'abandonner la cigarette, je ne peux pas te montrer dans la Bible. Mais je vais te dire, Satan qui a créé ce produit n'a pas manqué de mettre sur la cigarette, sur le paquet de la cigarette, un verset. Ce n'est pas un verset biblique. Mais le verset qui va te condamner en enfer, il a mis sur ça. Comme le verset n'est pas dans la Bible, eh bien, ça se trouve même sur tes yeux, sur le paquet de la cigarette que tu consommes. Je vais te montrer tout à l'heure. Et ça, là, ça va te condamner à la porte du ciel après ta mort. Si tu ne te répands pas de ton vivant, je vous dis, le diable est très rusé. Et quand il pose ses filets, il met toujours quelque chose comme pièce à condition pour pouvoir l'utiliser et accuser ceux qui vont tomber dans ses pièges. Et demain, il va leur dire c'est eux-mêmes. Ils sont tombés dedans. Je n'en ai pour rien. Voilà. Donc il ne fait rien sans preuve. Même pour accuser les enfants de Dieu, il tient toujours une preuve. Une pièce à conviction. Lisons par exemple dans la Bible, dans Zacharie, chapitre 3, le verset 1 à 3. Il me fait voir Josué. Le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tient à sa droite pour l'accuser. Pour l'accuser des choses dans lesquelles il a vu. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas Et ils sont arrachés du feu. Jérusalem a été déjà arrachée du feu. Or, oh, qu'est-ce qui s'est passé Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Ce qui veut dire quoi Si Satan trouve quelque chose de lui sur toi, en toi, dans ta main, il va t'accuser. Et généralement, le diable, pour mieux tenir ses procès contre tout individu, il va chercher dans la parole de Dieu ce que la parole interdit. Ce que Dieu interdit dans sa parole, lui, il va prendre ça et créer quelque chose contre ça pour accuser les enfants de Dieu. Il faut souligner que la Bible, la parole de Dieu, est le livre le plus exploité dans le royaume de Satan. Tout ce qu'ils veulent faire dans leur monde, ils vont même voir dans la parole de Dieu ce que la parole de Dieu pense de ça. Pour pouvoir accuser les enfants de Dieu. En effet, il va créer le produit maintenant et pose sa marque et son code sur ça. Et spirituellement, et même physiquement. Parce qu'aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup de choses qui sont marquées 666. Les gens voient ça, mais les gens vont consommer. Les gens voient ça, les gens vont porter. Les gens voient ça, les gens vont utiliser. Et vous allez voir aujourd'hui des boissons qui sont appelées Lucifer. Aujourd'hui, on ne veut pas encore aborder le sujet des boissons. Ça vient dans une autre rubrique. Et vous allez voir d'autres boissons appelées zombies et d'autres appelées monstres. Qui veut dire monstre <laughs> Peuple de Dieu. Il y a tout ça là que le diable envoie sur la terre. Et il ajoute une inscription spirituelle sur ça qui représente son décret. Et l'inscription peut stipuler que... Toute personne qui touche à tel produit ou à telle chose, qui porte sa ceinture et son code 666, que celui-là est de son côté. Donc c'est un décret que lui, il prend. Donc Dieu ne discute pas de décret avec le diable. Si tu ne rentres pas dans le champ du diable, il ne peut pas te capturer. Donc... Des pièces que lui il pose sur la terre. Alléluia. Par exemple, pour les parures et les ornements, il ajoute simplement comme décret que toute femme qui porte les mèches, rouge aux lèvres, vernis, faux ongles, fossiles, collants et toutes ces choses, le décret qu'il a pris sur ces choses-là. C'est que toute personne qui les porte est prostituée. Il ne t'a pas appelé prostituée. Maintenant, si toi, tu portes ces choses-là, c'est que le décret que lui a signé est sur toi. Et tu es prostituée. Et devant Dieu, tu es prostituée. Parce que tu as porté des choses qui portent mention. Prostituer. Voilà comment les choses fonctionnent spirituellement. C'est pour ça que nous crions jour et nuit d'abandonner les choses du monde et de paraître simple devant votre Seigneur, votre Créateur, et le diable ne trouvera rien pour vous accuser devant le trône de Dieu et laver votre robe dans le sang de l'aïeau. Alors. Lorsque l'ennemi prononce ses ordonnances sur ces choses, ces démons qui sont chargés de veiller à ce que tout ce qui vont toucher, tous ceux qui vont toucher à ces choses-là, soient marqués du chiffre 666. Ce qui veut dire quoi? Les démons qui sont chargés d'exécuter les ordres de Satan, lorsque vous touchez, les accoutrements de Jézabel, par exemple, automatiquement, eux, ils viennent vous marquer 666 parce que vous avez touché à leurs choses, vous avez porté leurs choses. Ça ne dure pas, c'est automatique. C'est pour ça que toi qui, qui utilise ces choses, enlève-les. Cela représente même une porte d'entrée des sorciers. Parce que quand les sorciers voient même 666 sur toi, ils savent que, ah, toi tu as une proie pour eux. Et ils viennent dans ta vie, ils te rongent. Tu portes des messes, tu refuses d'enlever les choses de Jézabel, mais tu as tous les problèmes. Tu dois avoir les problèmes. Parce que tu as cherché les problèmes. Tu as porté même aux problèmes. Tu as mis des messes, des perruques sur la terre qui sont des serpents. Et tu dis que tu ne dors pas la nuit. À cause de quoi? C'est toi qui as cherché. Les serpents sont dans ta vie parce que tu les as mis sur ta tête. C'est un exemple. Alors, même si vous priez sur ces choses, sur les rouges à lèvres, les, les vernis, les collants, les hauts talons, etc., même si vous versez une dontion sur ça, ça ne marche pas. Cette prière n'a pas d'effet pour chasser les démons dans ces choses-là. Car c'est comme si tu demandes à Dieu de chasser le propriétaire de la chose et te l'accorder. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Et c'est ainsi que des milliers de femmes chrétiennes vivent avec des démons en toute ignorance. Et ils sont à l'église, mais leur âme est enchaînée, ligotée. Et ils crient à Dieu, Dieu ne les écoute pas. Parce que la parole dit... Abandonner les choses du monde. Dépouillez-vous des choses du monde. Mais vous ne voulez pas vous dépouiller, vous criez à Dieu. Vous avez tous les problèmes. Les problèmes de mari de nuit. Ah, j'ai rêvé, j'ai vu serpents serpent me pourchasser. J'ai vu serpents coucher avec moi. Tous les problèmes. Mais c'est vous qui avez cherché les problèmes. Enlevez ces choses et repentez vous Le Seigneur va vous délivrer. Tant de Dieu, le plus grand danger. Et que ces démons ne sont pas là seulement pour vous rendre malade, mais souiller et détruire votre âme. Vous qui portez leurs choses. Et en enfer, ils vont vous traiter avec rage. Je vous dis, c'est le jour où vous allez vous présenter devant le portail du ciel. Que le démon va se présenter avec les dossiers d'accusation. Et c'est en ce moment que plusieurs disent Seigneur, c'est en ton nom, j'ai prophétisé à l'église. Seigneur, c'est en ton nom, j'ai évangélisé. Seigneur, c'est en ton nom, j'ai chanté des belles mélodies dans l'église pour toi. Et le Seigneur va leur secouer la tête en disant Je ne vous ai jamais connu et je n'ai jamais été avec vous. Vous allez voir aujourd'hui des femmes à l'église en collant, en mèche, en train de sauter, en train de vibrer. Mais quand vous allez les voir en enfer, vous allez dire que, ah, c'est comme ça Dieu est. Non, Dieu est dans sa parole. Ce n'est pas comme ça il est. Il est dans sa parole. Tu peux faire tout. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu ne veux pas respecter sa parole, eh bien... Tu vas te retrouver en enfer. Je te dis la vérité. Alors, sors de ces choses-là. Le Seigneur ne peut pas partager le même temple avec des sirènes. Et derrière ces choses que vous mettez, il y a les sirènes. Si tu appartenais à Dieu, tu serais dépouillé des choses, des démons. C'est ce que tu vas entendre au portail du ciel. Et il va te rappeler qu'il t'avait pourtant dit dans sa parole de ne pas toucher aux choses impures. Si tu étais réellement son disciple, tu lui aurais obéi. Peuple de Dieu, ça c'est une parenthèse. C'est pour épargner ses enfants surtout, les femmes chrétiennes. De ces malheurs que le Seigneur révèle aujourd'hui la réalité de l'enfer et des scènes de l'au-delà à plusieurs personnes pour vraiment informer son peuple des réalités de l'enfer. Mais ça, là aussi, des faux pasteurs, des faux docteurs déchirent et disent que ça ne vient pas de Dieu. Car la théologie ne leur a pas enseigné cela nous allons encore y revenir peuple de dieu maintenant concernant la cigarette voici ce qui se passe alléluia voici ce qui se passe lorsque satan a créé ce produit il a il a créé avec une inscription qu'il qu considère comme verset d'accusation, comme décret d'accusation. Est-ce que tu veux connaître ce, ce verset Est-ce que tu veux connaître ce décret Alléluia. Nous allons prendre une boîte de cigarettes et tu vas considérer cela comme la Bible des insensés. Voilà. Cigarettes. Paquet de cigarettes. Vous allez voir considérer ça comme la Bible des insensés. Comme vous ne voulez pas la vraie Bible, la Parole de Dieu, eh bien, et comme vous, c'est cette Bible que vous aimez, c'est ça qui est votre Bible, qui est votre, qui vous conduit dans la vie. Eh bien, Satan a mis un verset sur ça. Il a gravé une inscription sur ça. Alléluia. Et dans tous les pays. Où tu verras aujourd'hui cigarettes, paquet de cigarettes sur la terre, dans tous les pays du monde entier, tu verras cette inscription. Que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit en espagnol, que ce soit dans n'importe quelle langue, tu vas trouver cette inscription-là. C'est un, une inscription qui va t'accuser au portail de l'au-delà. Je te dis la vérité. Tu veux connaître l'inscription <laughs> Alléluia. Quelle est cette inscription Je vais te lire. Le tabac nuit gravement à la santé. Voilà l'inscription. <laughs> Alléluia. Le tabac nuit gravement à la santé. C'est ce que tu vois. Voyez. Et regarde très bien. Une autre institution qui veut dire la même chose. Il dit, fumer provoque le cancer de la bouche. Voilà de différentes inscriptions que vous pouvez lire. Ici, tu vas lire, fumer provoque le cancer du poumon. Et de l'autre côté, fumer provoque le cancer de la bouche. Tu vois, cela, c'est comme un verset qui va te condamner en enfer. Comment la santé dont on parle ici, ce n'est pas ta santé physique. La santé qui est nuit ici, ce n'est pas ta santé physique, c'est plutôt ta santé spirituelle. Alléluia. Il s'agit de ton âme. Donc, autrement dit, Satan est en train de te dire que le fait de toucher à ce produit que lui a créé. Tu nie à ta santé, à ton âme. Voilà. Tu nies à ton esprit. Tu nuis à ton corps spirituel. Ce n'est pas, pas, pas ton corps physique. Je te dis, dans tous les pays, tu vas voir ça. Fumer provoque le cancer mortel de ton âme. Ce n'est pas cancer mortel seulement de poumon. Mais cancer mortel de ton âme. Regarde. De la même manière qu'on a dessiné le, le, le poumon qui est rongé sur la boîte, c'est l'état de ton âme. Toi qui fumes cigarette, toi qui fumes cigarette, voilà c'est l'état de ton âme. C'est comme ça que ton âme est rongée, pourrie. Et toutes la fois que tu prends la cigarette et tu mets dans ta bouche, ton âme commence par recevoir du poison mortel. Et il, il commence par souffrir. C'est comme tu l'envoies en enfer. Voilà. Donc, il est en train de te dire que ce produit nie gravement à ta santé spirituelle, à ton âme. Oh, voilà que tu ne connais pas le langage spirituel. Il a créé un poison. Et il a mis clairement, clairement dessus, il a mis clairement, il a écrit sur ça. Et il te dit que c'est un danger mortel, que c'est un poison mortel. Aïe! Hey, hey. hey. Donc tu prends acide comme ça et tu bois. Regarde. c'est des lettrés. Ce pas des analphabètes qui, 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 qui consomment ça. C'est des lettrés. Des gens qui savent lire. Et même celui qui ne sait pas lire, on a même dessiné sur ça. On a même dessiné la bouche qui est rongée. C'est comme ça ton âme est rongée. Voilà. On a même tout fait. <laughs> Le diable il est rusé. Il a tout fait pour que cela soit affiché sur la boîte. Parce que comme il n'y a pas ce verset directement dans la Bible-là, lui, il a mis ça pour t'informer, pour te dire que toi qui font, consommes ça, en enfer, c'est comme ça ton âme sera rongée. Et tu vois clairement, les gens voient ça clairement, mais ça ne leur dit rien. Dans certains pays, ils ont demandé même que l'inscription soit encore plus grosse, pour que celui qui ne lit pas bien ne dise pas que, ah, mes yeux ne me permettent pas de bien lire. Hey, c'est écrit même en gras. Ici, là, c'est écrit en gras et gros, grasse écriture, pour que tu puisses lire, pour que tu sois informé que chaque fois que tu touches à ça, ton âme est rongée. Chaque fois que tu fumes la cigarette, tu prends une tige et tu mets à ton à ta bouche directement, ton âme reçoit de l'acide rangé peuple de dieu vous voyez ailleurs dans d'autres pays vous allez lire la fumée tue on te dit directement quand tu fumes c'est que tu meurs et c'est pas seulement une meur physique mais une Mort. spirituelle je vous dis Le, la cigarette fait partie des rats produits fabriqués par le diable sur lesquels il informe le consommateur que c'est un poison mortel. <laughs> Je vous dis, le, 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 le scénario se présente aussi comme ceci. La cigarette comme ça. Représente ta vie. Voyez? Comme ça. La tige, c'est comme ta vie, comme ça. Devant le diable. Qu'il a mis dans un papier. Voyez Qu'il a mis dans un papier et qu'il a plié. Et lorsque tu allumes le feu sur ça, tu commences ainsi pas à consumer, pas à brûler ta vie spirituellement. Voyez Tu commences à brûler ta vie spirituellement. Et toi tu vois ça physiquement comme un objet appelé cigarette. Mais le diable lui, il voit ton âme que toi, tu acceptes de brûler progressivement. Toi-même, tu acceptes de brûler ton âme. C'est comme ça. Et derrière la cigarette se trouve aussi l'esprit du serpent qui te donne l'envie répétée, c'est-à-dire tu es additif. L'additif de la cigarette, c'est que ça te donne la folie. Si tu ne, si tu ne prends pas... C'est que tu, tu deviens comme un fou. Oui. C'est une additif. Tu, tu, tu es possédé. Tu es possédé. Et le même esprit se trouve derrière l'alcool. On va revenir après sur l'alcool. Et c'est cet esprit qui crée l'addition. Et plusieurs sont, ont tenté même d'abandonner. Mais l'esprit les pousse. À continuer à, à, à consommer. Elle est contrainte à prendre encore un dernier Un dernier cigare ou un dernier verre d'alcool pour les buveurs et ça ronge leur âme. Chaque seconde, dans, sans la délivrance, je vous dis, sans la délivrance de Jésus, ils ne peuvent rien. Car la Bible dit, L'homme est esclave de ceux qui le dominent. C'est pourquoi la parole déclare. Alléluia. La parole déclare dans le livre de trente 32, le verset 33, Le vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. Alléluia. C'est ça. Il y a un véné dans ces choses-là. Le véné d'aspic, Et c'est un poison cruel qui vous ronge. Qui vous ronge. Et vous devez abandonner ça. Je vous le dis en vérité, en vérité. Toi qui m'écoutes, toi qui vois ce produit, considère-le désormais comme la mort. Je vous le dis, malheureusement, beaucoup vont déchirer. Et c'est en enfer qu'ils vont découvrir qu'ils brûlaient leur âme sur terre quand ils fumaient la cigarette. Et le chrétien qui continue de fumer ce produit, de consommer ce produit, doit savoir aussi qu'il n'a jamais... Encore croisé l'homme de Galilée. La cigarette constitue un des grands fardeaux qu'il enlève à tous ceux qui sont fatigués et qui viennent à lui. Mais si toi, tu viens à Jésus et tu continues de, de garder ce fardeau, de consommer la cigarette, c'est que tu es toujours sous le joug. De ce fardeau là, c'est comme si tu es comme une vieille dame Qu'un homme a essayé d'aider un jour sans succès. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé À bord de son véhicule bâché, l'homme vit une vieille sortie du champ avec un fardeau de fardeau de bois sur la tête. Et quand l'homme le vit, la vit, il pensa à sa mère au village. Et fut ému de compassion. Et s'approchait d'elle et lui proposa de la remorquer un peu. La vieille accepta et monta dans le véhicule avec son fagot de bois. Et l'homme démarra le véhicule. Mais en route, il le regarda dans son rétroviseur et vit que la vieille étant dans le véhicule, a encore gardé, a encore remis son fardeau sur la tête. Il a encore pris le fagot de bois là. Il a encore mis ça. Elle a mis ça encore sur la tête. Et, et l'homme fut troublé et conclut en lui-même que cette vieille ne veut pas du repos dans sa vie. Alors il gara le véhicule et fit descendre la vieille qui continua son chemin. C'est un peu la situation spirituelle de beaucoup de personnes. Ils, sont, ils ont entendu l'appel de Jésus-Christ qui dit dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 1 à 2 Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent sans rien payer. Et pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Le même appel est lancé dans le livre de Matthieu 11, verset 28. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et homme de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Peuple de Dieu, voilà l'appel que le Seigneur a lancé à tout homme qui est fatigué, qui porte le fardeau. De la fumée, de la cigarette ou de, de, de l'alcool, des boissons sur sa vie. C'est l'appel qu'il a lancé à tous. Donc, quand vous venez, vous devez déposer votre fardeau au pied de la croix de Jésus. Vous devez pleurer, demander qu'il vous décharge. Mais vous êtes venu et vous voulez garder encore ce fardeau sur vous. Vous êtes venus. Et vous continuez de garder le même fardeau sur votre tête, étant dans son bateau. Or, son bateau est pour ceux qui sont fatigués et qui cherchent du repos. Ce n'est pas pour ceux qui veulent garder encore leur fardeau. Si tu viens à Jésus et tu veux garder ton fardeau, alors mieux vaut retourner. Parce que lui veut celui qui va amener son fardeau pour être libéré, pour être déchargé. Et d'autres viennent à la source d'eau vive. Mais il continue de parler de soi. C'est comme s'il ne veut pas de cette eau vivre. Et leur soi va continuer de les tourmenter. Alléluia. La parole nous enseigne aussi. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 1 à 8. Je lis la parole avec respect. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Celui qui vient à Jésus doit accepter mourir dans le vieil homme. C'est le vieil homme qui va continuer de fumer la cigarette. L'homme nouveau ne peut plus fumer la cigarette parce que Christ prend corps en lui. Alors, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Alors, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres, votre chair qui réclame la cigarette, vous devez la faire mourir. Vous devez faire mourir cette envie de la cigarette, cette passion, ce désir folle, vous, qui vous pousse à aller prendre de la cigarette. Vous devez tuer ce désir. C'est comme ça. Vous devez faire mourir ce désir en vous. Hein? On a cité l'impudicité, l'impureté. Les passions, les mauvais désirs. Voilà. La cigarette, c'est un mauvais désir. Ça fait partie des mauvais désirs. Et ça fait partie des passions mortelles. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la perdition. Et parmi lesquels vous marchiez autrefois. Lorsque vous vivez dans ces péchés-là. Donc tu ne dois pas dire que tu es en Jésus et que tu continues de vivre dans ce péché, non. Et la Bible dit, mais maintenant, à partir de maintenant que vous êtes en Jésus, renoncez à toutes ces choses. Alléluia. Donc si tu dis que tu vis avec Christ et il vit en toi, tu ne dois plus continuer de fumer de la cigarette, de prendre de la, do de la drogue, de prendre de la chicha, de prendre de la cocaïne. De prendre des cannabis, des tabacs. Tu ne dois plus continuer. Même les cigarettes électroniques. Ah C'est un autre moyen que le diable a créé. Pour. C'est terrible. Hein Comme on dit que oui, ça là, ça ronge. Maintenant, il vous a encore proposé autre chose. Encore plus acceptable. La cigarette électronique, tu mets à la bouche, hey, hey, Seigneur Jésus, c'est la folie, peuple de Dieu, c'est la folie. Et ces choses-là, ça ronge votre âme. Et si toi, tu continues, tu es chrétien, tu continues de fumer de la cigarette, c'est comme si tu, con, con, tu considères Jésus comme un fumeur ou un buveur. Et quand c'est lui qui fume en toi, Oh, son esprit ne peut pas supporter ces abominations. Rien d'impur ne peut entrer au ciel, dit sa parole. Alors son esprit ne peut pas habiter un corps de fumeur ou un corps de buveur, mais un corps sain. Un corps rempli de louanges, un corps rempli d'adoration, un corps rempli de prière, un corps rempli de sainteté, un corps rempli de zèle pour l'évangile. Voilà le corps dans lequel Jésus peut habiter. Jésus ne peut pas habiter un corps qui, qui consomme des choses indignes, des choses abominables. Alors toi qui suis ce message, si tu es fatigué du tabac, de la drogue, de les cannabis, de la marijuana, des injections toxiques, des cigarettes électroniques, crie à Jésus et il va te délivrer. Mais si tu n'es pas fatigué et si tu veux continuer, ne sois pas surpris demain des conséquences en enfer. Car quand tu brûles quelque chose, ça doit faire de la cendre. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun fumeur, qui n'est pas repenti ne peut entrer au ciel. Aucun fumeur des choses abominables, de la cigarette, de la drogue, des cannabis, des tabacs, qui n'est pas repenti ne peut entrer au ciel. Car rien de souillé ne peut entrer au ciel. Aucun corps souillé, ni un esprit souillé, ni une âme souillée ne peut entrer au ciel. C'est pourquoi... Sa parole déclare dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, verset 15 Dehors les chiens, dehors les chiens, tous ceux qui consomment ces choses devant Dieu sont comme des chiens. Parce que c'est le chien qui consomme n'importe quoi, qui met n'importe quoi dans sa bouche. C'est le chien. Le chien est le porc. C'est eux qui consomment tout ce qui est impur. Tout ce qui est abominable. Alléluia. Donc tu ne peux pas. Vivre comme un chien. Ou vivre comme un porc. Et chercher à entrer au ciel. La Bible déclare. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas prendre ton corps et le faire remplir des choses abominables et consommer des choses abominables. Je vous le dis en vérité, en vérité. Créer Dieu. Et fuyez la colère de Dieu. Sortez de ces choses indignes. Fuyez ces choses-là. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre dans votre vie. Et sachez que la colère de Dieu est réelle. Mais il ne veut pas vous frapper. C'est pour ça qu'il vous avertit toi qui écoutes ce message ton corps est sacré ne fais pas de ton corps un, un, un tonneau de cigarettes ne fais pas de ton corps une poubelle quand tu remplis de n'importe quoi des choses abominables cigarettes tu mets dedans drogue tu mets dedans Alcool, tu mets dedans. Cannabis, tu mets dedans. Péché, n'importe quel péché, tu mets dedans. Non, il est temps de vous répentir. Il est temps de rechercher la voie de Dieu. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, je te dis en vérité, en vérité, le Seigneur te parle. Le Seigneur t'invite à abandonner cette vie. Si le Seigneur peut ouvrir tes yeux pour te montrer l'état, ton état spirituel, tu es noir. Tu es noir. Tu es noir. Parce que tu as brûlé ton âme par la consommation des choses abominables. Je te dis en vérité en vérité le Seigneur t'appelle à la repentance. Je vous le dis ceux qui veulent aller en enfer, Satan leur fournit les meilleurs arguments pour les encourager dans la voie de l'enfer. Mais si quelqu'un veut aller au ciel, le Saint-Esprit le fournit aussi les meilleurs conseils pour le guider sur la voie du ciel. Alors sort de la cigarette, sort de la drogue, sort des ingestions toxiques, des cannabis, sort des cigarettes électroniques, etc., etc. Dans 2 Timothée, il est écrit, fuis les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse. La cigarette, c'est une passion. C'est une passion de la jeunesse. Il y en a, c'était même, ils fument ça dans le bois de nuit pour montrer qu'ils sont aussi à la mode, à la tendance, voilà. Qu'ils hein? sont aussi un show gars, quoi. Qu'ils sont aussi un, un gars branché. Donc, vous allez le voir comme ça. Vous allez le voir. Tu tiens ton cercueil dans la main comme ça. Je te dis la vérité. Tu tiens ton cercueil dans la main comme ça. réponds toi La Bible dit Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. C'est-à-dire, recherche ce qui est juste, ce qui est bon devant Dieu. La foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Le Seigneur te parle. Sortez des passions de la jeunesse. Fuyez. Comme la mort ne reste pas dedans, toi chrétien, jeune chrétien, qui fréquente des jeunes, hein, et, 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 et qui t'invite des jeunes fumeurs, tu sais qu'ils fument et tu les fréquentes, et tu vas dire que non, moi je les évangile, je vais les impacter. Ah, la Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu vas finir par fumer si tu ne fumes pas ses compagnies. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Ils vont te pousser. Ils vont te dire non, il faut essayer une fois pour voir. C'est comme ça. Moi, quand j'étais rentré dedans, moi qui vous parle, j'étais un ancien drogué. Je fumais. Mais qu'est-ce qui m'a poussé dedans? C'est les compagnies qui m'ont poussé dedans. C'est les copains qui m'ont poussé dedans. Vous dites, mais il faut essayer, c'est bon. Et quand tu fumes, tu seras free. Voilà. Et j'ai commencé par essayer. Et ça a commencé par ronger mon âme. Et quand je fumais, j'ai vu que, que mon caractère commençait par changer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, j'ai déjà donné dans mon témoignage comment je suis rentré dans cette vie-là. J'étais au collège quand des amis qui mènent cette vie abominable, je les fréquentais et un jour on était et on était sorti pour aller Quelque part, la nuit, on était dans une voiture, la nuit profonde, et arrivé à un niveau, dans une zone enclavée, dans, au niveau d'une euh, brousse, ils ont été la voiture et ils sont tous descendus. Et c'est comme ça, ils ont. <laughs> Moi aussi je suis descendu et le chef gang est rentré dans, dans la brousse et tout le monde le suit. Et moi aussi, je l'ai suivi sans savoir ce qui allait se passer. Et quand on est rentré dans la brousse, tout le monde s'est installé, ils ont fait un cercle. Et le chef gang, le chef gang, a ouvert son sac et il a sorti quelque chose qui est dans le sachet. C'était le tabac, le cannabis même. Et il a pris un papier de ciment et il a mis dedans. Et il a plié, 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 plié. Et il a mis le feu. Et il a tiré, tiré, tiré. Et il a sorti la fumée pia, pia. Et il a pris un autre. Et il a allumé le feu. Et il dit que aujourd'hui qu'ils vont baptiser quelqu'un. Je ne savais pas de qui il parle. Or, oh, c'est de moi qu'il parlait. Et directement, il me tend pour dire voilà, prends ça. Si tu ne fumes ça, si tu ne fumes pas, on va te tuer ici. On va t'enterrer. Et personne ne saura ce qui s'est passé. Personne ne t'a vu avec vous. Donc, soit tu prends et tu filmes, et tu n'as pas le droit de tousser. Si tu dis bon, c'est comme ça on m'a initié. Et effectivement, moi-même, comme j'avais déjà cet esprit, l'esprit du monde, et je faisais aussi le le boucansier, le rappeur, le hip man. Le swagman. Donc moi aussi, je vais démontrer que je suis encore plus... <laughs> plus fort qu'eux. Et j'ai pris ça. Et j'ai tiré, tiré, tiré. J'ai fumé tout. Et ils m'applaudissaient. Voilà. C'est que... M'encourager pour l'enfer. L'esprit qui est en eux est content de mon initiation à l'enfer. Et j'ai consommé tout. Je vous dis, 30 minutes après, je ne sais plus tout ce qui s'est passé. Est-ce que j'étais mort? Est-ce que j'étais vivant? Je ne sais pas tout ce qui s'est passé. Trois jours après que je me suis réveillé dans ma chambre. Donc pendant les trois jours, je ne sais pas tout ce qui s'est passé. <laughs> Père de Dieu, si j'étais mort, où est-ce que j'allais atterrir? Et depuis ce jour, c'est comme si ils ont, c'est comme, comme si j'étais possédé. Et ils m'ont montré là où je peux payer ça chaque fois que j'ai besoin de prendre ça. Ils m'ont initié complètement. Et j'ai commencé à prendre. Ils m'ont encore dit, parce que je fréquentais encore, j'étais en classe de second, ils m'ont dit que si je prends ça bien, que oh, je serai brillant en classe. Que quand j'apprends mes leçons là, oh non, je vais garder, que mon cerveau sera bien. Vous voyez, bien chaud pour garder les choses. Et quand je vais bien réussir en classe. Hey! Et j'ai commencé par prendre. Parfois, avant d'aller au cours, je prends ça dans ma chambre. Peuple de Dieu, j'ai honte d'en parler. C'est pour ta délivrance. Donc, je prenais ça avant d'aller au cours. Et j'ai constaté que ça commençait pas à impacter négativement mes études. J'ai commencé pas devenir bizarre en classe. Parfois, même quand le professeur fait le coup, je le regarde, je le vois comme un bois debout, comme un arbre debout qui, qui, qui bouge devant moi. Et je dormais en classe. Peuple de Dieu, tout ce qu'ils m'ont dit, c'est le contraire que moi j'ai vu. Et à cause de cette vie, j'ai échoué en classe. Je vous dis, j'avais échoué. J'avais échoué. Et les choses ont commencé par aller de mal en pire. Gloire soit rendue à Seigneur, au Seigneur Jésus, qui m'a récupéré d'une façon que je ne peux expliquer. Il m'a récupéré parce qu'il connaît les projets qu'il qu avait sur moi. Projet de paix et non de malheur. Projet de devenir son serviteur et non serviteur du diable et non un délinquant. Le diable m'avait tracé traversé, traversé la voie de la délinquance, la voie de la voyoucrasie, la voie de bande, de banditisme, de gangster. C'est la voie que Satan m'avait tracée. Mais Jésus-Christ. M'a détourné de cette voie et m'a mené sur la voie de le servir. Et aujourd'hui, je suis devenu son serviteur. Gloire à ton nom. Et il veut m'utiliser pour faire de moi un modèle pour cette génération. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, voilà ce que j'étais. Donc ce n'est pas un ange qui te parle, c'est quelqu'un qui était comme toi qui te parle. Et qui te dit que c'est possible de quitter. Si Jésus m'a délivré, il peut te délivrer aussi. Il peut te sauver aussi. Il peut te racheter aussi. S'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. Alors, prends maintenant une décision. Et nous allons prier. Prends maintenant une décision. Et mets tes mains haut. Et commence par prier, Seigneur Jésus, tu répètes avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message qui m'a ouvert les yeux, Seigneur. Je me suis vu nu devant toi dans ma vie de péché, dans ma vie de cigarettes, dans ma vie de drogue, dans ma vie de cannabis, de tabagisme. Seigneur, j'ai honte de moi-même et je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, efface mon nom du livre de l'enfer. Efface mon nom du livre de la délinquance. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, décharge-moi ce fardeau maléfique. Délivre-moi de ce fardeau de l'enfer. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je renonce à la cigarette. Je renonce à cette vie abominable. Je renonce à la drogue. Je renonce à l'alcool. Je renonce au cannabis. Je renonce à la cigarette électronique. Je renonce. Aux injections toxiques, je prends la décision de te suivre. Seigneur Jésus, donne-moi le dégoût de la cigarette. Donne-moi le dégoût de la drogue. Donne-moi le dégoût du tabac. Seigneur, donne-moi le dégoût des passions mondaines, des désirs impurs. Et sème en moi le désir de t'obéir. Le désir de faire ta volonté, le désir de te servir, le désir de prier, le désir de chaîner, le désir de lire ta parole, de méditer ta parole, le désir d'être un modèle pour toi, pour cette génération. Seigneur, aide-moi. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tiens-moi par les mains. Et conduis-moi dans ta lumière, dans ta justice, dans ta vérité. Amen. Si tu as fait cette prière, je vais prier pour toi. Le Seigneur me dit que il y a plusieurs qui fument parce que le, les esprits de famille les ont mis dans ces jougs pour les détruire, pour détruire leur étoile. Et effectivement, beaucoup doit être la lumière de leur famille, mais les sorciers ont vu leur étoile et ont mis la cigarette dans leur bouche qui représente un poison qui les détruit. Et leur étoile est éteinte. C'est ce que le Seigneur me dit. Alors beaucoup sont dans la drogue, dans la euh, cigarette, de façon inconsciente. Parce que les sorciers les ont poussés à cela. Les sorciers ont mis cette maladie psychologique en eux pour détruire leur avenir. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, dans les rues, beaucoup sont... C'est que beaucoup sont comme des fous, mais arrêtés ne sont pas des fous. Parce que ce produit les a rendus et ainsi, les a mis dans cet état. Je vous dis la vérité. Vous allez voir même plein, plein de rasta. Rasta, rasta qui se dit rastaman. Peuple de Dieu, voilà la vérité. Mais quel que soit ton état, Jésus est capable de te sauver. Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de t'arracher de ce danger. Il suffit seulement que tu l'acceptes et que tu reconnais ton incapacité à quitter. Il faut que tu reconnais ton état et que tu cries à lui et que tu sois sincère. Il ne faut pas dire Ah, je fais tout pour abandonner, mais. Je n'ai pas la force, oui. Viens. Le Seigneur va te délivrer. Nous allons prier pour toi. Et toi-même qui écoutes ce message, pas ce message, le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Donc, toi qui as tous ces choses-là dans ta maison, dès ce moment que tu écoutes ce message, il faut que tu les ramasses et tu les brûles. Alléluia. S'ils les brûlent. En les brûlant même, il faut filmer. Envoie-moi la vidéo comme témoignage pour sauver d'autres qui sont encore dans ce joug-là. Alléluia. Tu filmes et tu les brûles. Alléluia. Tu brûles tout. Et tu nous envoies les images. Et nous allons prier pour toi. Le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Tout ce que regarde. Tes grâces, tes bénédictions, que les sorciers. On fait brûler par la cigarette. Ils ont ramassé tout, ils ont mis tout ça dans la tige de cigarette. Et tu brûles ça toi-même. Tout ce que l'ennemi a utilisé, ce, euh, 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 ces cigarettes, ce produit pour détruire dans ta vie. Le Seigneur va tout restaurer dans ta vie. Je vous dis, il y en a certains, même ils n'ont pas l'argent. Ils vont aller prêter l'argent pour payer. Il y en a d'autres. Ils vont aller payer à crédit. Hey c'est la preuve que c'est innocent. Possession démoniaque. Ils sont possédés de ça. Ils sont possédés. Il y a l'esprit. Quand l'esprit les prend, c'est si, comme si c'est la, la mort. Ils, ils ne comprennent pas. Oui. Et d'autres en sont appauvris. Appauvris. Je vous dis regarde, quelqu'un qui fume ça là, deux paquets par jour. C'est qu'il y en a même, c'est que chaque 5 minutes, il doit allumer une nouvelle tige de cigarette. Chaque 5 minutes, 24 heures sur 24, sauf s'il dort, sinon cigarette doit être dans sa bouche. Regardez, c'est une possession, tu es possédé. Tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Et c'est de ça que je te parle. Réveille-toi d'entre les morts. Jésus-Christ va te libérer. Viens, mon frère, reviens, ma soeur. Jésus-Christ, ta paix. Viens, mon frère, reviens, ma soeur. Jésus-Christ, ta paix. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu m'entends, il faut accepter. Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es fumeur, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es drogué, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es buveur, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu m'entends, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Seigneur grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu très, très saint, papa, je veux te bénir pour ce message. Et tous tes enfants qui ont écouté ce message. Papa, étends ta main sur leur vie. Papa, que ta main les visite maintenant. Seigneur Jésus, tu les visites maintenant. Ce frère, cette sœur qui fume de la cigarette, de la des cannabis, du tabac et des produits toxiques et qui est fatigué et qui, après avoir écouté ce message, a le cœur vivement touché. Papa, je te prie, délivre-le. Seigneur, sauve. Seigneur, décharge-le. Seigneur Jésus, Papa, tout esprit de sorcellerie qui les a enchaînés, qui a enchaîné leur âme dans cette captivité, Papa, par ta puissance, je saisis l'épée à double tranchant et je coupe les liens maintenant. Je coupe les liens maintenant. Je coupe les liens maintenant. Je coupe les liens maintenant au nom de Jésus. Je coupe les liens. Je brise le joug au nom de Jésus. Je saisis le matou. Et je brise le joug de la cigarette. Je brise le joug de la drogue. Je brise le joug du tabagisme. Je déclare maintenant ta libération. Tu reçois ta libération au nom de Jésus. Reçois ta libération au nom de Jésus. Jésus te libère de cette chaîne. Cette chaîne maléfique qui t'a attaché, Jésus te libère. Jésus te libère. Tes liens sont rompus. Tes liens sont brisés. Tes liens sont rompus maintenant. Tes chaînes sont ôtées. Les chaînes de la cigarette, les chaînes de la drogue sont ôtées maintenant au nom de Jésus. Reçois la vie qui est en Jésus. Reçois la paix qui est en Jésus. Reçois la lumière qui est en Jésus. Jésus, sort ton âme des ténèbres. Jésus, sort ton âme de la tombe de la cigarette. Jésus, sort ton âme de la tombe de la drogue. Reçois la paix. Seigneur, merci. Tous ceux qui ont écouté ce message et qui ont le cœur vivement touché, Seigneur, visite-les. Seigneur, transforme leur vie. Seigneur, délivre-les. Seigneur, sauve-les. Seigneur, efface leur nom du livre de la mort. Écris leur nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien, sur Alette au Rouge. Shalom, shalom, shalom.